Eh wesh, ça va? Bonjour à tous, c'est le vlog. Aujourd'hui on va à Télévideo Games. Je viens de me réveiller, ça sent. Ouais, je suis pas très motivé. Mais, j'ai pas tout fini de ranger et j'ai le train dans moins d'une heure. Ça va être short, mais j'espère que je vais réussir à le faire. Petit vlog, ça fait longtemps qu'on n'a pas vlog depuis la Zilane. Je ne sais toujours pas vlog, peut-être. En plus je suis tout seul. Est-ce que je vais avoir le courage de vlog tout seul? Je ne sais pas. J'espère que le son est bien aussi. Parce que je n'ai pas du tout réglé rien du tout en fait. Regardez, vous voyez ça? Hop! Là, je dois faire rentrer tout ça dans ça, un setup audio. Dans ça... Je sais pas comment je vais faire. Mais regardez-moi cette organisation. Il y a plein de choses. Il y a les lumières, il y a les trépieds, il y a le casque, il y a le clavier, il y a la souris. Il y a tout ici. Et ici, il y a la manette. Il y a la table de mixage pour, bien évidemment, le micro. Et le micro, le chour qui est ici. Attends, je vous montre. Hop, il est bien rangé. Vraiment, tout est bon. La question c'est, est-ce que je vais réussir à fermer ma valise? Je suis un peu dans la merde, mais ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Au pire, c'est quoi un train dans la vie? Genre, au pire, j'en prends un autre, j'arrive en retard. Après, il faut quand même aller à Bruxelles, quoi, c'est loin, genre. Je suis mort, j'ai une dégaine de pélican. Demain, début du stream à 18h, on verra comment ce sera. Incroyable. Il a lâché un de ses regards. Tu peux venir dire bonjour, hein, pas tout. Salam alaikum, ok. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien, mais pour vous expliquer, ça fait quelques minutes que j'essaie d'installer Bagnon Client. Je n'y arrive pas. Et là, on est en train de retrouver un semblant de connexion, je pense. Parce que, bon, vous pouvez le voir, on est actuellement 1 à 0 en fait. On est à 0, je vais me faire foutre. Juste au moment où je commence à montrer, on est à 0, voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de magnifique? Sharon, en train d'essayer de goûter. C'est mes origines. Si tu te coupes, ça t'est filmé. Hein. C'était réussi. Te félicite. Te félicite. Tes origines, mais c'est pas trop ça, hein. C'est des baguettes. Hein. Montre-moi comment tu les tires. Mais moi, j'ai des baguettes en fer normalement. Ça tombe. Hein. Oh, ah, c'est bon. Non, mais c'est ok. Oh, si c'est bon, c'est ok. Hein. C'est okay. Oh, le petit bâton, c'est magnifique. Mais ça fait tellement drôle. Hey, les frérots, on est avec Pacam. Tranquille dans la chambre, oh, il est 2h du mat. Bon, demain, faut qu'on se réveille à quelle heure? À 8h40, non, à 8h30 parce qu'il faut que tu prennes ta douche d'abord. C'est vrai, donc 8h30, on a très peu de sommeil, mais bon, ça va le faire, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et du coup, j'espère que ce vlog vous plaît parce que je pue la merde en vlogging en vrai. Non, en vrai, ouais. Je pense que t'es top 10 FR. Oh, tu mens? Ouais. Ok. Non, franchement, c'est nul. Mais ok. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que tout à l'heure, genre, par exemple, j'étais dans l'ascenseur, tu vois, ouais. Et genre, je me filmais. Et genre là, il y a un mec qui rentre, j'étais tout gêné. Je n'arrive pas à filmer quand il y a quelqu'un qui me voit, tu vois. Mais ça, c'est parce que t'es humble, en fait. Oui, c'est... Ta grandeur peut-être. Rayonne, mais non. Tu t'en rends pas compte. Putain, c'est beau ce que tu dis, voilà. Après, tu me complimentes tellement. T'as vu on ça va, on va passer une bonne nuit. Ah, on dort l'un à côté de l'autre, on juste un trou. On va s'approcher parce qu'il y a un trou, mais je juste pense que, regarde, je peux pousser le lit. Oh là, on est bien, là. Voilà, là on allez, allez. Du coup, là, genre, on le laisse et les gens s'imaginent des choses et tout. Bah, on va dire bonne nuit aux gens et puis okay. On va laisser rêver ouais. À ce qu'on va faire. Ok, allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit, les gars. Jour 2. On vient de se réveiller, il est actuellement... Il quelle heure? Je savais pas quelle heure il est, attendez. Il est actuellement 8h46. Voilà, motivé comme jamais. On va aller prendre le petit déjeuner avec Pacam. On est un petit peu chaud. Je peux pousser lui. Il faut qu'on soit vers 11h midi dans la salle parce qu'il y a un brief et tout avant le stream. Bon allez, on finit de se préparer et on se retrouve là-haut. On est en train de voir une scène rare, mesdames et messieurs. Une reproduction sexuelle entre une humaine et un dinosaure. Incroyable. Il est en train de remuer la queue, je pense qu'il est content. Bon, c'était marrant 2 secondes les dinosaures, mais là on est actuellement en train d'aller vers Médecins Sans Frontières, là où bien évidemment on va stream pendant plus de 4 jours. Ça va être génial, j'ai installé tout hier normalement, je pense que vous avez vu un petit peu. On va essayer de tout préparer, je crois qu'on a encore des choses à faire toute l'après-midi pour que ce soit prêt à 18h. Un petit peu de stress bien évidemment pour que ça marche. On ne choisit pas un camp, on va soigner n'importe qui se présente à nous et qui a besoin de soins de santé. Et surtout sans considération de leur couleur de peau, de race, de affinité religieuse, affinité politique ou orientation sexuelle. À côté de ça, cette année on va pas, l'année passée on dédiait l'argent à Haïti.
un pays complètement en crise et où on a un centre de traumatologie, où on a aussi un centre de pédiatrie, où on aide de nombreuses femmes à accoucher. Cette année, on va dédier l'argent à notre fonds d'urgence. Alors, c'est quoi le fonds d'urgence? C'est un fonds qui est alimenté en permanence et qui nous permet d'être prêts dès que possible, dès qu'il y a un drame qui se passe dans le monde. Bonjour, je m'appelle Provisi et je joue à Phasmophobia, streamer horreur. Bonjour, je m'appelle Poppy, je me suis fait connaître sur Mario Kart. Salut, moi je m'appelle Sharon, alias Amy sur Twitch. Et je fais pas mal de contenu multigaming et je me suis fait connaître sur GTRP avec le Bleda. Salut, bah moi c'est Chipset. Et du coup, moi je stream sur Valorant. Et bah Sharon c'était ma meilleure amie avant, mais maintenant c'est devenu une grosse connasse. Salut, moi c'est Alvaena, ça fait 4 ans que je stream et je suis principalement sur Valorant, je stream tout type de jeux, je suis multigaming, surtout horreur le soir. Salut tout le monde, moi c'est Lily Tefer et je fais du multigaming sur Twitch depuis 2019 et je suis tombée sous son charme. Mais c'est parce que je le regardais dans les yeux lui et moi, il y a un truc entre lui et moi. En gros pour expliquer, elle a trébuché sur ma valise et du coup elle est tombée, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est un peu drôle, voilà. Enchantée. Voilà, c'est ça. Magnifique, j'ai dû cadrer comme de la merde. Non, bon, c'est la vie. J'avais pas le retour en fait. Salut les gamers, vous ne m'avez pas oublié, j'espère. Mais si, c'est moi, Monsieur Grodon. Plus de 35 streamers vont s'unir pour partir à l'assaut des Grodons. Bichard, The Kill 84, je déclenche le compteur. Et je déclare ouvert le plus grand projet caritatif belge du jeu vidéo, le Télé Video Games. Et bienvenue pour cette 6e édition des Télé Video Games. Je t'aime aussi. Voyons, je vous aime tous. Bienvenue, on est en direct des locaux de Médecins Sans Frontières, encore une fois, pour 75 heures de caritative avec les 35 meilleurs streamers du monde. Non, je n'en dis pas trop. Effectivement, ils sont tous là. Ils vont être présents pour vous pendant 75 heures pour récolter des dons pour Médecins Sans Frontières, les amis. Attention, on va avoir besoin de vous, vraiment. Je suis en direct de Bruxelles. Eux aussi, ils sont là, prêts à en découdre, prêts à recevoir vos dons, prêts à recevoir vos remarques, prêts à recevoir tout votre amour, les amis. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes chauds? Ouais. Et bien voilà, ainsi commence. Attendez, c'est pas là. Est-ce que vous êtes chauds? Non, c'est pas assez. Cet homme fait de l'histoire. Parce qu'on a une revanche à prendre. L'année passée, vous vous souvenez, la pandémie nous avait mis à terre. Après un an et demi, on vous l'avait promis qu'on viendrait encore plus fort. Est-ce que vous êtes prêts pour le Télé Video Game 6? Ah, on m'entend, c'est bon? Oui, le son. Alors, est-ce que le son est... Ah, la caméra s'est éteinte. Batterie épuisée. Bah, on commence déjà très bien cette édition, moi je vous le dis. Mesdames et messieurs, bonsoir, comment vous portez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 6e édition de Télé Video Games. Vous voyez, est-ce que, en vrai, c'est pas mal, genre, voilà. Ça peut être très long. Mec, attends, je suis pas censé parler là. Tu veux pas parler à ma place? Parce que j'ai dit que je parle pas avant 50€. Donc tiens, je te donne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je connais pas cette communauté, tu vois, tu les appelles comment? Ils ont pas un nom commun? Bah écoutez-moi bien, c'est simple. Si vous voulez pas... Ah, tu m'as explosé dans les oreilles, j'ai été désorienté. Et c'est la règle simple, elle dit que ceux qui ne jouent pas le jeu et qui ne font pas manger la communauté et qui n'aident pas... Je pensais que j'étais pas... Eh ben, il fait les papiers! Je crois que t'as détruit une communauté là. Merci bien, je vous souhaite une agréable journée à tous. Faites attention à vous, des bisous. Nouveau profit de Médecins Sans Frontières, on est chez eux. Merci pour le kebab. Mettez vos mains! Put your hands up! Put your hands up! C'est bon, je sais! Hey, c'est bon! Hey, merci pour le kebab! Howard! Howard! Ouais!
c'est bon, j'ai compris. Toi stream, je stream, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, merci. C'est bon. A plus, frérot. Ah non, mais à plus, j'ai dit salut. Tu peux lire à voix haute. Je pose une question gênante à un streamer aléatoire. Voilà, t'es l'aléatoire. Ça va? C'est une question forcément gênante, je te le dis. Ouais. Ok, t'es prête? Ouais. Ok, merci pour le kebab. C'est eux qui m'ont demandé, c'est pas okay, moi. Vas-y. Ok. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Bah c'est... Faut avoir la ref. Enfin d'un mec, j'ai mon mec quoi. Ah, voilà, voilà, merci beaucoup. Pour combien? Toi tu me suces et pour combien? Moi je... Ah c'est ça. Ouais, c'est hyper ça. Gênant. Oui, c'est le but, Faire ça à part sur Twitter et tout, c'est la honte ça. Non mais non les gars, tranquille, personne le saura. Mais les gens ils se foutent de nous. Personne le saura. Non mais regardez pas le chat. 3, 2, 1, 50 000. Ah, ah non, c'est moi le pire du coup. C'est moi le pire. 150 balles. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait. Oh putain, attendez, mutez-vous. 150 balles. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il va exploser le micro, les gars. Il va exploser le micro, hein. Oh, merci énormément pour les 150 balles, les gars. Vous êtes incroyables. Est-ce que t'as déjà léché les deux trous d'une meuf? Non. Ah, les deux trous? Les deux trous. Non. Non, non. Ok, voilà, c'était ça. Hein? Et toi? On est où là? Non, bah non. C'est dégueulasse. Bah non, c'est pas ouf. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. Ma berce est là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Encore. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde arabe. Alors, moi je vous présente, je suis Sana Mohamed Kakabet arabe, Mehmet Kakabet arabe. Sana, quelques années, moi venir Belgique pour Inch'Allah développer business de kebab. Alors les amis, attends, Bichar Abbé, pas rigoler. Framboise. Exactement. Lui c'est la framboise c'est du Twitch. C'est le haut du panier. D'accord, donc Gwil, clippy. Gwil, toi tu es la framboise du Twitch game. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre quelque chose au-dessus de toi. Au-dessus de Gil. Ça c'est le best meme. Je rappelle qu'à 2000 balles les gars on fait un jeu d'horreur en VR. Oh je m'y attendais tellement pas. Mais comment ça? Pourquoi? Avec tes merveilleuses lunettes quand même. Oui, magnifique. Non, vraiment les lunettes. Mais tu m'as cramé avant, putain. Mais oui, hein, oui, je les ai vu. C'était magnifique. Ou pas? Est-ce qu'elle était belle, en vrai, c'est un 10 sur 10. 10 sur 10, sachez. Elle était crédible ou pas? Ouais, crédible. Je me suis vraiment fait mal. C'est peut-être pour ça qu'elle était crédible. Moi, tu m'as vraiment fait peur. Hein. Tu regarderas sur le clip. Hein. Tu regarderas sur le clip, tu m'as vraiment fait peur. Hein. Oui? Hein? Paulinette. Bon, toujours Paulinette. Attendez, je reviens. J'aurai jamais le temps. Média. Chou. Ok. Enregistrer l'original. Parcourir. Allez. Oh, nickel. Nickel, les gars. Ah oui, là, c'est fort, quand même. Ah là, c'est quelque chose. Oh là là, c'est quelque chose. Oh mon Dieu, c'est terrible. Ah, en plus, elle vous a mis vraiment ça, genre en grand quoi. Elle a dit tenez, genre prenez-le. Genre, elle a dit c'est ma tête. Je garde le fond d'écran. Je le garde. Il est magnifique. En vrai, il est moche, mais je. Je peux pas lui dire. Je peux vous dire que depuis quelques heures, je suis en train de souffrir des yeux. À chaque fois que j'allume mon ordinateur, je fais ah. Je me suis dit, on va essayer de se venger, les gars. Et on va tout simplement lui ajouter une émo de Twitch. Et lui changer sa photo de profil. Parce qu'elle a laissé son compte Twitch connecté à son ordi. Mais regardez-moi ça, ça ferait pas une belle photo de profil. Attendez, on va lui mettre ça. Ça va être incroyable. Est-ce que ça a marché? C'est la question que tout le monde se pose. Attention. Yes, mon émote marche. L'émote Lilith 36 Bichard, mesdames et messieurs, d'arriver. Oh les gars, mais regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Comment c'est fait? Ça, c'est un prank que tu me prépares, ça. Est-ce que c'est un truc où c'est vraiment... Non, c'est discret. Oh putain, j'aurais été au courant. Eh, t'as vu, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Mais c'est stylé. Mais c'est trop gentil, pourquoi j'aurais pas aimé? C'est incroyable.
T'allais poser. Ah non, mais j'adore. Vous avez pris une selfie, puis vous avez repris une selfie. On a pris un selfie, on l'a mis en fond d'écran, et on a repris un selfie pour le remettre en fond d'écran après le selfie. Du coup, ça fait selfie-ception, là. Du coup, c'est un peu drôle. Elle est trop bien. Elle est trop bien, vraiment, elle est trop bien. Mais je la garde, elle est incroyable. Hein. Bah, en fait, enfin, y a pas que mais ça. Mais comment j'aurais pu... Bah, tu sais que t'as mis du temps pour revenir. Bah oui. C'est le compte de qui, toi? C'est tiens. Non, on peut pas voir. Oh, oh. Ah, j'ai tout fait, hein. C'est un tueur, c'est un tueur. Regarde le chat. Oh. En émote. J'ai une émote de ta gueule. Ouais, ouais. Non, mais elle est... Elle est... Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, les gars, j'ai regardé tout la TVG, ça. Hein. Je me permets juste de vous montrer, les gars, le message de ma maman. Ma mère est complètement tarée. Oh là là, ma mère est complètement tarée, les gars. C'est terrible. Je vais aller coller les gommettes à tout le monde et on va passer un beau moment. J'espère que je vais pas me prendre de non, sinon je vais très mal le vivre. Est-ce que je peux vous coller une gommette? Avec plaisir. Je vous laisse tenir le téléphone comme ça. C'est là que les gens voient. Les gens vous voient. Allez, vas-y, vas-y. Je vous permets de vous gagner. Vous là, vous voulez vous souffler? Une petite gommette jaune, c'est magnifique. On va faire ça à tout le monde. Ça, c'est génial. Merci beaucoup. Oh, il va me mettre une gommette sur la gueule. Je te mets une gommette sur la gueule. Hop, ici. Ici. Magnifique. Tu restes. À l'appareil, d'être content. C'est une gommette? C'est tout? C'est pas mettre de la force? C'est incroyable, merci beaucoup. Voilà, de rien, de rien. Pas de soucis. Tiens, toi aussi, il y a les gens, ils t'aiment beaucoup. Bah ouais. Et je crois qu'on va être obligé de faire plein de choses ensemble. Mais ça me dérange pas. Tiens, c'est bon. Ouais. La petite gommette. Je te colle une gommette. Ça permet de donner de la force, comme ça, tu pourras mieux streamer et mieux rapporter de l'argent. Et ça, c'est incroyable. C'est pas mettre sur la joue. Magnifique. Mais là, regarde-moi comment t'es morose. Incroyable. Incroyable. Salut, Lit. T'as l'air contente de moi. Ah ouais, le malade. Là, on fait un chiffre de sur quoi? Celui qui perd, il fait un peu 10 euros à l'autre. Ok, ça me va. J'ai tout mis. C'est des pré-shots. Mais du coup, je suis venu pour autre chose. J'ai collé une gommette sur le front. Ça va réussir. Bien, mais oui. Qu'est-ce que c'est? Avec plaisir. On va faire bisous. Hey, je vais prendre le micro et je vais crier super fort Bichard cherche une meuf. Assieds-toi. Non mais tu vas faire de la merde. Oh vas-y, c'est bon les gars. Moment de gêne, je regarde la caméra et juste je réalise. Bichard cherche une meuf, je répète, Bichard cherche une meuf, merci. Allez, bonne soirée. Fils de pute. T'es un bâtard. T'es un bâtard. Le pire c'est qu'ils ont même pas donné pour que tu dises ça. Dans deux semaines, tu le remercies. Oui, bien sûr, les gars, bien sûr. Écoutez-moi, les gars, si je pécho une meuf grâce à lui... Je suis... Attends, alors, du coup, bah, je vais juste l'enlever parce que... Bah, vas-y. Aïe. Attention. Oh ah. Ils sont des millions, attention. La lame, derrière toi, la lame, la lame. Attention, échappe, échappe. Vas-y. Sors de là. Ok, monte sur l'escalier. Ok. Mange un cookie. Mange. Ah non. Tu étais presque. Je revenais soutenir. Oh. Oui. J'ai réussi. T'es trop forte. Attends, vis celui-là, l'arc. Yo. Bravo. Ouais. Tu l'as tous tué. Ah, maintenant, faut que tu tues l'un dragon. Oui. Du coup, là, faut que je lui mette des flèches. Espace! Putain, j'ai peur! Maintenant, faut peut-être être tranquille en douceur. Ouais. Maintenant, faut juste lui donner des dégâts, il perdra tous ses dégâts. Vas-y. Donc, attends, j'ai encore des flèches. Ah, ouais, ça va. C'est la dernière flèche, et tu l'as tué pour la première fois. Oui. La première fois. Tiens, tu l'as la flèche. Attention! Oh une flèche! Encore! Une flèche! Vas-y. La flèche. Oh, plus haut! Oh non, tu es presque. Ouais. Bravo. Oh, t'as vu, il meurt.
Bravo! Regarde. C'est ça la 34 de base, on va. Cocorico! Magnifique! Voilà, défi réussi! Fantastique! Et si tout le monde regarde! Ouais! Bon, on a trouvé un magasin où il y a des crocs. C'est magnifique. De quelle couleur seront les crocs? Bah ben, là, il y en avait avec des paillettes. Regarde celles-là, elles sont incroyables! Oh non! Elles sont incroyables! Je les vois pas, moi, c'est dommage. Oh oui, les léopards! Oh oui! Elles sont incroyables! Est-ce qu'il y a une taille? Comment tu fais? J'ai l'air d'avoir du 45. Ouf! Bah, il va falloir acheter deux paires. 42. Oh, 42. Wow. Magnifique. Bon, bah, bon. Magnifique, en fait, magnifique, ma chérie. Avec des semelles, des crocs de Bichard et des crocs nouvelles, je crois que ça doit faire 10 ans qu'ils marchent avec. Complètement! Mec, c'est 45 euros! C'est 45 euros! 45 balles! Non, c'est drôle! Ok, vas-y. Du lait, non? Non, reste bien, non. Il y a du lait là, si tu veux. Non, mais là tu s'ouvres, mais pour le faire sortir aussi, ça va être compliqué, je crois. Moi ça passe. Moi ça passe. J'ai l'estomac solide, moi je suis parti. Ah, je suis mort. Et attends, sans. Non. Oh, c'est pas les pires. Ah, c'est horrible. Donc là, on a les grillons. Ça, on en prend une poignée. Hein. Ah, c'est marrant, jamais je trouve ça. Mais si. Mais c'était des putains de larves. Ah non, c'est dégueu. Non, mais c'est pas possible. Regardez, c'est horrible. C'est pas possible. Non, on voit pas bien. Faut croquer ou avaler d'un coup? Non, faut croquer. La texture, elle est horrible. Heureusement que le goût du barbecue est fort. Ah, mais non, c'est. En fait, c'est la texture. C'est horrible. En vrai, ça a pas de goût, non? Vas-y. Oh, c'est horrible. Oh, horrible. D'un coup. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Ça va en vrai? Ouais, ça va, je sais pas si dégueu ça en fait. Ça va, il est trop bizarre. Le meilleur pour la fin. Non, mais c'est mort, hein, mais t'as vu la taille du truc? This is you, look, my friend. This is the new technology of the protein, you know? Pour avoir du muscle. Yes, to have some good muscles. Et m'arnaquez pas. Allez. 2, 3. Et on croque. On va manger. Ici. Non, c'est horrible. C'est bon. Ça coûte le chips, la cacahuète. Ouais, mais... Bah oui. J'ai jamais mangé quelque chose aussi hideux. Oh non, vraiment, c'est pas bon. La texture, elle est dégueulasse. Ça s'effrite dans la bouche. Ah, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Les petites... coquille là. Ouais, non, c'est croustille là. Oh. Ça se coince sous la dent? Ouais. Quoi? 600 euros de dents! Mais non, c'est pas ça! Mais non, c'est pas ça! Mais non, on se sent fou! Les 5000 balles! Lily, c'est 5000! Attends! Lily qui applaudit, qui s'est mis à Filme-la, elle est en train d'applaudir, elle sait pas ce qui se passe. Va pas teaser, non. Et frère, c'est serré un peu, non? On se met là, hein? Ok. Ouais, attends. Elle arrive avec une épée. Et au bout de cette épée, il y avait quoi? Du miel et du lait. Elle m'a passé sa tasse tête de mort. Elle m'a dit qu'elle a nettoyé. Elle m'a dit bois dedans. J'ai bu le lait de Billy Chou. Elle m'a dit mot pour mot, va dans le frigo et prends mon lait. Donc moi je te le dis, toi aussi, prends mon lait. Je deviens fou. I'm behind you. Il a dit qu'il était derrière moi. Non, j'ai vraiment très peur en vrai.
So bark or die. So bark or die. C'est vrai? Je veux voir le résultat. Non, mais non, au contraire, tu veux pas, genre, on coupe le retour et tu te découvres après, c'est beaucoup mieux. Potentiellement, tu vas la blesser. Je vais peut-être la blesser avec du maquillage quand même. Attends. Ah oui, ok, attends. Attends, juste, je mets mon chat là. Ah ouais, putain, merde. Quoi? Ah, bah, déjà, t'as mis du fond de teint là-haut? Oui. Non mais regarde, non, en vrai, l'autre eyeliner il est bien. Mais attends, attends, déjà je vais, attends, c'est, ça me fait bégayer tellement je suis perplexe. Frérot, attention à toi. Installe-toi. C'est parti, les gars, les arbitres dans le chat, les arbitres dans le chat. On compte les points, les gars, on compte les points. Pour l'instant, il est à 0, il est bien. Je ne suis pas un charo, je ne mate pas ce genre de choses. 1 euro et je savais. Oh, ça c'est bon, ouais, ça c'est bon, ça je m'en fous. Quoi? C'est dedans. Non, ça a bugué. C'est dedans, c'est dedans. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais ça. Ça bouge, il regarde. Je regarde pas. On s'en fout, ça bouge. Non, non, les visages, tricheur. Oh les bâtards. Oh les bâtards. T'as regardé? Non. Dis la vérité. Je regarde, j'ai cligné des yeux. Oh, pied. Mais là, comment je regarde pas? Comment je regarde ah, pas là, c'est bon, c'est bon. Mais what? Mais t'es hyper fort. Eh, mais elle est très jolie. Mais en fait, c'est parce que, pour moi, tu respectes le visage d'une femme est beaucoup plus intéressant que oh, c'est ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, les gars. Qu'est-ce qu'il est mais beau. C'est vrai. Un homme à marier. Vous êtes bon. Alors, les gars, on fait un angle sur deux en bleu et rose. Mais il y a forcément, vu qu'une main est composée de 5 doigts, une couleur qui va triompher. C'est si moche. Il y en a partout. Même plus l'ongle. C'est bon? Ouais, passe au rose, passe au rose. Les gars, il y a de l'amélioration là. Regardez. J'ai un peu dépassé. Honte! À toi. Wesh! Wesh! C'est quoi de ça? C'est un carnage! J'ai un doigt de schtroumpf! Attends, je vais. Ouais, non, c'est bien. Vas-y. Il est machin là celui-là. Regardez celui-là. Ouais. De 1, tu fais un doigt à mon chat. Non, je fais un doigt. T'as fait. Oh, regardez, il est machana celui-là. Mais t'aurais fait un doigt à mon chat. Bah, t'es donnant-donnant. Ok, bah ça va alors. Lilith, la première fois que je t'ai vue, j'ai voulu t'offrir mon cul. Lilith, j'aimerais t'inviter en pique-nique pour que tes parents te déshéritent. C'est si bien, gros. C'est incroyable. C'est, si bien. C'est incroyable. Il est parfait. Il est parfait. On s'est rencontrés au TVG6. À Bruxelles, au pays de la saucisse. Et maintenant qu'on est lancé, que dirais-tu de m'épouser? Ok, 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 ok. Pour faire cette demande, t'as écrit un discours. Moi, j'ai rien préparé du tout, mais je vais essayer de te faire une impro. Tu m'as fait ce soir une belle demande. Et moi d'un coup, je me le demande, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Peut-être, peut-être que ces deux jours je t'ai fait rêver. Mais sache, sache que je suis le pire des enfoirés, ouais. Billy, Billy, avec moi c'est pas la gaieté. Je te jure que si on se met ensemble, tu vas en baver. Billy, oh Billy Chou, Billy, avec moi. Oh Billy Chou, Billy, c'est ça. Ok, c'est pas fini, attention. Même si je garde mes chaussettes, elles sont pas de la même couleur. Est-ce que tu trouves ça chouette? La preuve en image. Il est temps à présent pour moi de te répondre. Tu m'as fait une demande et putain, je me sens très con. Mais s'il vous plaît les gens, aussi vrai qu'il faut faire des dons. Je vais te faire réponse de Normand. Peut-être ben que oui ou peut-être ben que non. Oh Billy, Billy Show. Oh Billy, Billy. Désolé, j'ai giclé. Elle a dit ta mère, c'est un aspirateur. Tu regardes quoi? Un giga fiac. Un fiac sa mère. Un boule. Vous imaginez même pas. Un truc de fou. Je vous jure.
Même moi, quand j'ai vu ce boule, je me suis dit, putain, je perds la boule. It was at this moment that he knew he fucked up. En fait, on est en couple depuis maintenant 3 mois et que je l'ai foudroyé pendant 3 jours là d'affilée. Et elle fait genre, elle fait un peu genre l'innocente et tout. Alors qu'en vrai, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Faut savoir que même Juliette, à un moment, nous a filmé et elle garde ça sur son téléphone. Qui un jour, on fait la conne avec elle. Du coup, voilà. Voilà. Salut. 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 Je peux toucher ton visage ou pas? Bien évidemment. Tu peux tout toucher, t'inquiète pas. Pardon. Enfin, le visage. Bien, non? Vous aimez bien? Ah, oh, moi je kiffe! C'est vrai? C'est bon? T'es prêt? Là, là, faut que je tire. Attends, attends. Okay, vas-y, 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 d'un coup, vas-y. Si bon, écoute-moi. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, je tire. T'es prêt? Vas-y. 1, 2! Ah! Ah! Merci beaucoup, Pater, d'avoir. Oh, c'est Silis. C'est pas lui, mon pinceau? Non, c'est bien. T'es sûr? Oui. Je vais me faire maquiller, donc en vrai, c'est chiant. Kin, sors! Kin! Abaisse-toi, abaisse-toi. Ouais, ouais, c'était peur, c'était peur. T'as fait un truc. T'as fait un truc. Le bâtard. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. C'est pas celle. C'est elle. Tous ceux qui ont un euro, c'est le moment. C'est le moment. Attention. FFB. C'est le chiffre qu'on retiendra. Je suis très content parce qu'on a réussi à vous faire plaisir. Je me suis jamais autant éclaté. J'ai pas été sur ma chaîne. J'ai pas été sur ma putain de chaîne tout le long. Et ça me fait plaisir. Bonne nuit à tous, bonne journée. Merci à tous pour avoir fait vivre quelque chose de pareil. Et voilà. On n'aura pas pêché cette édition, on pêchera dans l'an prochain. Merci à tous. Mesdames et messieurs, le Télé Vidéo Games est terminé. On a passé un moment de dingue, un week-end de dingue. J'ai rien à dire, c'était fou. Du coup, bah voilà, merci à tous d'avoir suivi ces lives, d'avoir suivi mes donation goals, j'avais très peur. Merci beaucoup tout le monde.